Hi Mina, c'est Q-chan, et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de Zelda Skyward Sword, et bien tout simplement, je vais retenter l'expérience du boss rush pour le dragon de foudre, hein. Et je sais pas si je vais y arriver du premier coup, mais on va quand même essayer, hein. On va quand même essayer de choper le bouclier d'Ilia. Alors... début, on va essayer de se refaire tout de suite Giraïm parce que je crois que c'est l'un des plus chiants. Enfin, à mes yeux, c'est l'un des plus chiants. Même si techniquement, je sais comment l'affronter, mais c'est pas toujours évident. Allez, on y va. En fait, il détecte même pas. Ok, déjà? Bah d'accord déjà, moi je veux bien déjà. Raté. Ha! Chez! Où il est? Aïe! Derrière toi! Raté. Aïe, évidemment. Putain. Ah, méchant. Bonjour. Bonjour à Adri Blast, comment vas-tu? Ah bah je l'ai vaincu beaucoup plus facilement que la dernière fois. Alors oui, pour YouTube, vous l'avez peut-être remarqué, pour le coup, je suis en stream. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal d'être en stream pour faire ça, pour le coup. Ok. Je vais bien, je vais bien. J'essaye de terminer mon let's play de Zelda Skyward Sword, donc en fait, il me reste plus que le boss rush à faire ici, puis le boss final. Bon, il me manque juste un quart de cœur pour faire le 100%, mais je sais pas où il est et... Et j'ai un peu la flemme de chercher où il est. Donc voilà. Alors. Encore 10 à vaincre. C'est qui? Oh, c'est toi, ça. Si c'est toi, ça va. Merde. Ça, c'était très con, par contre. Non, mais je suis nulle, en plus. Je suis sur Switch. C'est le remaster, je suis sur Switch. Il va falloir que je fasse le plein de bons, j'en ai quasiment plus. Ah, remonte, remonte, remonte! Je vais chercher des bons, j'en ai plus. Ah, c'est bon. Oui, c'est le remaster. Ah, recule! Ah, quoi que non! Hop! Ah! Sale bête! N'attendez pas à ce qu'elle aille dans un coin! Et ben voilà! Dire si on m'entend bien, si le son du jeu est pas trop fort, parce que j'ai toujours du mal à régler ça, mais je pense que techniquement ça devrait être bon. Ah, mais j'ai joué à tous les Zelda, moi. J'ai fait tous les Zelda. En fait, sur ma chaîne YouTube, j'ai pour projet de faire la saga complète dans un certain ordre. Donc en fait, j'ai l'intention de la faire dans l'ordre de la chronologie officielle, à peut-être un ou deux détails près. Parce que. Autant la chronologie officielle, je suis d'accord sur certains points, autant il y a certains jeux que je vois pas forcément au bon endroit pour la chronologie officielle. Ah bah super pour le son, tant mieux.
Mais oui, j'ai joué à tous les Zelda. C'est une passion pour moi, Zelda. Alors, je veux continuer puisque je veux le bouclier Ilia. J'ai déjà récupéré le quart de cœur ici, hein, donc il n'y a pas de souci. Non, mais bon. Ok, c'est toi. Pour l'instant, je crois que je les ai dans le même ordre que la dernière fois au passage, hein. Peut-être que pour certains, le son du jeu est fort, mais pour moi, c'est bien. Bon, bah écoute, si... Tant qu'en fait, l'important, c'est qu'on m'entende bien. Faut pas que ma voix soit couverte par le son du jeu, en fait, surtout ça. Donc si on m'entend bien, c'est que le son est bien. Ah, merde. Non! Ouf! Faut que j'essaye de garder un maximum de cœur pour la suite, puisque c'est quand même un boss rush. Je sais que techniquement j'ai des fées, mais je sais pas si elles sont prises en compte pour le boss rush. J'avoue que je l'ai pas souvent fait, ce truc. Donc. Ah! Reste pas là! C'est bon. Ok. Le non-œil. La souffleuse. Raté. La meilleure au monde, c'est à débattre parce que j'ai plusieurs sagas phares que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup Zelda. C'est vrai que pour moi, c'est une des meilleures au monde. Je suis d'accord aussi. Oula, j'ai perdu, j'ai... Non, non, non! Wow! Ben voilà, c'est bon. Ah, mais la saga Zelda, c'est clair que c'est une des meilleures. Hein. Je me suis fait une tenue de Link uniquement pour faire la saga Zelda, donc... Ok, ça c'est fait. C'est marrant parce que je croyais que c'était censé être aléatoire, l'ordre des boss qui arrive, mais pour l'instant, j'ai exactement le même ordre que la première fois que je l'ai tenté. Donc, je sais pas, on va voir. Alors, quel est le prochain? Ah! Bah alors, lui je l'avais pas encore eu, non? Bon, apparemment, c'est le premier, donc ça va. Ah, j'aime pas affronter le banni! Je déteste ce boss. Reste pas là! Pourquoi je me rappelais pas qu'il faisait ça? En même temps, la meilleure technique, c'est de grimper sur sa tête, en fait. Je devrais penser à ça. Grimpe sur sa tête, c'est plus simple pour atteindre le pilier. Zut. Oh, je vais me retrouver dessus! Je vais me retrouver dessus! J'ai mal calculé mon coup pour le coup. Moi je surkiffe Zelda, mais c'est vrai qu'il y a deux sagas qui sont pas mal. Bah oui. Oui, après tout, il y a beaucoup de sagas qui sont très très bien. Hein. Faut pas. Moi, je suis aussi une grosse fan de Final Fantasy. Ok. Meilleure technique, plutôt que de s'occuper des orteils, occupons-nous plutôt de la tête. C'est plus simple. Et c'est moins chiant. Où est-ce qu'il s'arrête? Faut qu'il s'arrête. Arrête-toi. Il s'arrête là, ok. Ah merde! J'ai glissé, chef!
Y a pas un... Il y a un souffleur là. C'est prendre des risques de faire ça parce qu'évidemment il monte beaucoup plus vite. Mais c'est beaucoup plus simple pour choper le pilier plutôt que de s'occuper des orteils. Je déteste affronter le banni. Moi j'aime beaucoup la saga des DBZ et Dragon Quest. Alors Dragon Quest aussi, j'aime beaucoup Dragon Quest. En fait déjà, je suis une grosse fan de JRPG déjà de base. Donc tout ce qui est Zelda, Dragon Quest, Final Fantasy, j'aime énormément. T'as pas joué au Final Fantasy? Bah après tout, on peut pas plaire à tout le monde non plus, hein. Moi les FF, je les ai tous faits. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, hein, puisque comme je t'ai dit, je fais les let's play de... Voilà, j'ai commencé... Enfin, je vais terminer Skyward Sword, c'est le premier Zelda que je fais sur ma chaîne YouTube. Mais je vais faire les autres. J'ai fait tous les Final Fantasy, je suis en train de faire le 10e, que je fais aussi en stream d'ailleurs. Dragon Quest, j'ai pas encore commencé, mais je ferai sûrement la saga aussi à un moment donné. Mais voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller jeter un oeil sur ma chaîne YouTube, hein, qui sait. Alors, ensuite... On continue. Il y a encore 7 ennemis à affronter après. Bah putain. C'est un boss rush en même temps. Toi! Il va me falloir le fouet. Attention à ça! Hop, c'est bon. Ah! Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Ok, et de 1. Hop! Et de deux! Alors faut que je fasse gaffe parce que je suis en train de taper mes mains sur mon bureau, vu que je joue à mon bureau sur ma Switch. Ok. T'es sérieux? Aïe! Ton préféré c'est quand même Breath of the Wild. Perso, je le trouve imbattable difficilement. Alors j'aime beaucoup Breath of the Wild. Comment dire? J'aime beaucoup Breath of the Wild, mais dans une autre catégorie. Parce qu'en fait, pour moi, alors c'est un très bon Zelda, attention, hein, faut pas mal prendre ce que je vais dire. Pardon. C'est un très bon Zelda, Breath of the Wild. C'est juste que c'est un Zelda hors catégorie. Parce qu'en effet, c'est un Zelda qui a brisé toutes les règles de la saga Zelda. Déjà avec son monde ouvert et le fait qu'on puisse vraiment jouer absolument comme on en a envie. Donc il n'y a pas réellement de chemin à suivre. Dès qu'on se réveille, on peut aller affronter Ganon si on veut. Les temps ne sont pas forcément obligatoires et tout. Donc c'est vraiment un Zelda qui a brisé toutes les règles. Donc oui, c'est un très bon Zelda. J'ai beaucoup aimé son histoire, j'ai beaucoup aimé son principe, j'ai beaucoup aimé son gameplay. En fait, j'ai rien à reprocher à Breath of the Wild. C'est juste que pour moi, je le place dans une catégorie à part de la saga Zelda. Parce que c'est comme il a vraiment brisé toutes les règles. Donc... Je dirais pas que c'est mon préféré parce que c'est un peu un ovni dans la saga Zelda en fait parce qu'il a vraiment il est différent. C'est un Zelda qui est différent de ses petits frères, de ses grands frères plutôt. Mais quand je dis différent, encore une fois, ce n'est pas un défaut. C'est Nintendo a très bien joué en créant ce Zelda et ils ont très bien redéfinit la saga en partant sur ce principe-là. Donc oui, j'aime beaucoup Breath of the Wild. Mais bien sûr, vu que je vais suivre la timeline, enfin la chronologie officielle, bah, je ne vais pas jouer à Breath of the Wild avant un bon moment. Ah, des cœurs! C'est vrai que ce serait bien de récupérer des cœurs pour la suite. Chez! Ah! Ok. Encore un tour et ça devrait être bon.
J'ai hâte de voir d'ailleurs ce que va donner le Breath of the Wild 2. Trop près, trop près, trop près, trop près! C'est bon. Donc là, il va invoquer des zombies normalement. Allez! Hop, voilà, on n'en parle plus. Allez, balance tes épées. Link, il a la classe quand même avec une épée aussi grande. C'est bien, n'empêche, il m'a rendu quasiment toute ma vie. C'est vrai qu'il est à part, je l'adore parce que c'est un monde libre où tu peux commencer par ce que tu veux et aussi parce qu'il est plus réaliste. C'est vrai, j'avoue, il est très réaliste puisqu'en plus, comme tu dis si bien, selon la zone où tu vas, bah, Link meurt de froid, Link meurt de chaud, Link meurt de faim, il peut se noyer et tout ça. Donc oui, il est extrêmement réaliste et c'est vrai que c'est un très bon point, c'est un très bon point pour lui. Donc voilà, ils ont vraiment poussé le concept du monde libre au maximum. Bon, je connais pas énormément de jeux en monde libre comme ça, mais c'est vrai que pour le principe, j'ai beaucoup aimé ça. Et en plus, il est extrêmement difficile. En général, la saga Zelda est quand même accessible à tout le monde, même aux jeunes enfants, hein, techniquement. Mais celui-ci est extrêmement compliqué et certains ennemis sont quand même super hard à affronter. Je veux dire, les Linels, c'est une calamité à affronter. Donc voilà, faut quand même reconnaître ça. Alors, quel est le prochain? Ah! Ok. Toi, tu m'énerves. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire ça en plus. Ok. De quel côté il apparaît? Droite, gauche, tout droit? Droite. Ah, j'ai encore mon Joy-Con qui est mal calibré! Mais allez! Je l'ai. Non! Mais non! Mais non! Parce que mon Joy-Con il est mal calibré! Ah, je suis coincé! Ok. Ah, l'avantage, c'est que j'ai pas perdu de cœur en tombant dans l'eau. Tant mieux. Ça m'arrange. J'avoue que ça aurait été bien chiant. Attendez. Voilà. J'ai rééquilibré mon Joy-Con. Raté. Merde! Ah, il y a trop de tentacules! Et après le glouglou, là je suis un peu occupée. Je suis un peu occupée là. Mais merci pour le glouglou. Ah non! Lâche-moi! Lâche-moi! Alors réussir le tir du premier coup, c'est du coup de peau. C'est bon, il est vaincu? Non, c'est la deuxième partie. Je crois. Ouais, c'est ça. Ok.
J'ai encore mon Joy-Con qui fait n'importe quoi. Alors, j'aime bien les gens qui se plaignaient encore une fois de la version Wii avec la Wiimote qui se désynchronisait tout le temps. Mais le Joy-Con, il est pas mieux, en fait, hein, malgré tout. On peut dire ce qu'on veut, mais... Aïe, ah, saloperie. Mais c'est pas possible, dégagez! Ça y est. Alors, j'en profite, mon petit glouglou. Daidagos. Alors. Non, on continue. Je m'en fous de tes trésors rares. Ce que je veux, c'est le bouclier. Je veux le bouclier! Oh non! J'aime pas Giraïm, il m'énerve! Ha! Tchè! Je sais. Ça va prendre du temps. Je déteste Giraïm. Ah putain! J'ai beau savoir comment l'affronter, c'est toujours une calamité. Ben c'est le... C'est techniquement le méchant du jeu. En fait, le problème, c'est qu'il est capable d'intercepter mon épée, en fait. Ah putain, par contre ce serait bien que je perde pas de vie inutilement. Alors j'ai toujours un mal de chien à réussir à l'avoir. Mais vous savez quoi? Pour ce combat là, je vais tenter un truc. Ouais, que dalle. Allez! Lâche! Lâche! Ah, bah, laisse tomber. La manette, c'est encore pire. La manette, c'est juste encore pire, en fait. Coucou, Futaro! Oui, c'est un sbire de Ganon. En fait, c'est même son sbire principal. Parce que c'est lui qui veut ramener... Bon, techniquement, Ganon n'apparaît pas dans ce Zelda-là. Puisque c'est l'avatar du néant. Donc lui, en fait, il veut ramener l'avatar du néant à la vie, en fait. Donc c'est le sbire principal de ce qui, plus tard, deviendra Ganon, en fait. Mais c'est pas possible! Je déteste affronter Giraïm! Attendez, parce que j'ai encore mon Joy-Con qui réagit pas correctement. Oui, c'est avant Ganon, en fait. Parce que selon la chronologie, si on en croit la chronologie officielle... attendez. Mais lâche mon épée! Excusez-moi, je m'énerverai toujours sur Giraïm. C'est toujours un boss qui est toujours ultra chiant à affronter. Aïe. Si on en croit la chronologie, en fait, c'est ça. Ça se passe avant l'apparition de Ganon. Avant que Ganon soit ce qu'il est, justement. Ok. D'ailleurs, techniquement, c'est même avant que Link devienne le héros du temps, qu'il devienne même le héros tout court. M'énerve. M'énerve. Ça va prendre 3 plombs pour l'affronter. Non, je peux pas passer par derrière.
Il me suit en fait. C'est vraiment le mec qui me suit en fait. Je peux pas l'attaquer par derrière. Donc là, j'attends qu'il se débarrasse de ses kunai. Ça marche pas non plus, malheureusement. J'ai déjà tout essayé. Il y a vraiment que l'épée qui passe. Et malheureusement, il faut réussir. Bon, je prends du temps, c'est pas grave. L'important, c'est que je perde pas trop de vie. C'est surtout ça, en fait, l'important. Parce qu'il y a quand même encore 5 boss derrière à affronter. Dont sûrement encore le banni de merde. Nom de Dieu. Pardon, je deviens vulgaire quand c'est comme ça. Comment tu vas, Futaro? Aïe. Aïe. Heureusement que mon bouclier est solide, hein. Ah oui, non, mais il est dur, ce boss, hein. Techniquement, c'est vraiment un des boss les... Ça y est. Ah, deuxième partie. Ça va être la partie moins chiante, ça. C'est justement l'un des boss les plus chiants à affronter, en fait, hein. Ah, putain. Justement pour ça, en fait. Ben voilà, tu vois? Tu vois? Voilà, c'est ce que je te dis. Hein. Dès que t'as passé le moment où il te chope ton épée, le reste est très très simple. Hein. C'est vraiment ce moment-là qui est très très chiant. Pour le dernier boss de Breath of the Wild. Hein. Alors. Ah! Mon bouclier est super résistant! Mais pourtant, j'ai pas fini. Il m'en reste encore, non? Mais mon bouclier super résistant, c'est le bouclier d'Hyrule, non? Je croyais qu'il fallait terminer l'entièreté du boss rush pour l'avoir. Je vais vérifier un truc, parce que ça me perturbe. Mais techniquement, c'est... Attendez. Je vérifie vite fait, parce que j'ai pas envie de faire une connerie. À travers oui, boss. Non, bah apparemment, il faut juste affronter oui, boss en fait. Donc, faut pas juste finir le truc. Mais donc on gagne quoi si on affronte tous les boss? Bon, écoutez, je vais faire le bouc. Je vais... Ah! Ah! Voilà, stun-le, ça m'arrange. J'ai pas spécialement besoin de m'occuper des pattes, puisque je vais aller sur la tête. Je vais utiliser la même technique que la dernière fois, c'est la tête. Ah non, merde, évidemment, j'étais pas assez haute. T'es sérieux? Ah, pas de soucis, c'est gentil d'être passé. Ça m'a fait un peu de compagnie. Ah, oup. Non! Il est sérieux qu'il m'a éjecté?
Faut que je le stun avant de grimper sur sa tête. Ouais, encore ce boss. Ciao! Faut le faire 3 fois en plus, donc il faudrait pas non plus qu'il prenne trop d'élan. Allez, Chador, t'inquiète, t'inquiète. Ah! C'est vrai qu'il y avait ça aussi. Ah, l'avantage, c'est qu'il va retomber tout en bas. J'adore la position qu'il prend quand il dégringole. Donc il n'y a plus qu'à le faire une seule fois et c'est bon. Mais là, il va encore s'envoler, je crois. Ouais. Et là, il va falloir que ce... il faut que ce soit moi qui aille sur sa tête. Allez, 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 allez. Déjà qu'en plus, il faut que je sois sûre de viser correctement. Allez. Parce qu'il faut pas non plus que je me loupe. Pour ce qui est du visage. Oh, c'est bon. Ah, cette épée. C'est bon. Au moins, ce boss-là, il n'était pas trop, trop chiant. Ça a été. Bah écoutez, ça veut dire qu'on va choper le bouclier. Hein. Par contre, là-dessus, je ne sais pas ce qu'on gagne si on termine le boss rush complet. Peut-être que je le ferai en off, parce que tout ce que je voulais, c'était le bouclier, moi, à la base. Voilà, donc moi, je prends le bouclier. C'était le bouclier qui m'intéressait. Voilà! Mon bouclier d'Ilia! L'aura des héros émane de ce bouclier légendaire. Aucune attaque ne peut l'endommager. Ouais! Oh non! Non! Il est parti à la consigne! Allons le chercher. Allons le chercher, il est parti à la consigne. Retourne dans le ciel. Alors, si quelqu'un peut me dire ce qu'on gagne en faisant le boss rush complet, je sais pas si je le ferai en vidéo, à moins que ce soit vraiment un truc intéressant. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était le bouclier d'Ilia, ce que j'ai obtenu. Encore une fois, il me manque un quart de cœur. Le problème, c'est que je sais pas où il est. J'ai beau refaire ma liste de quarts de cœur complète, il me semble que je les avais tous. Donc, je vois pas du tout lequel j'ai pu louper. Et je vous avoue que j'ai la flemme de refaire le monde complet pour savoir lequel il me manque. Donc c'est pas grave, on n'est pas à un quart de cœur près, j'ai envie de dire.
J'aurais cru que c'était celui de Terry qui me manquait, mais pourtant il semble que... Il me semble que je l'ai eu. En tout cas, j'arrive pas à le trouver, donc c'est que j'ai dû l'avoir. Ça, on va l'enlever, j'en ai pas besoin. Et je veux mon bouclier d'Ilia. Qu'on va échanger avec mon propre bouclier. Voilà. Je voudrais vérifier un truc, mais je pense que je n'ai rien à améliorer. Ok. Eh ben, ça veut dire qu'il ne me reste plus qu'à aller affronter l'avatar du néant, hein, tout simplement. Parce qu'il m'attend, l'avatar du néant, je vous le rappelle. Hein. Je vais quand même essayer encore une fois d'aller voir Terry, mais j'ai sûrement dû la voir, son quart de cœur. Hey, grimpe! Grimpe! Maintenant, vous voyez, il ne propose rien à l'achat, donc... Ah, vas-y, hop. Et ça? Allez, je prends. Et si je sors et que je rentre, est-ce qu'il propose de nouvelles choses ou est-ce que je lui ai vidé son inventaire? Bon bah ça va, on sait où il est. Ok. Bon, je ne l'aurai pas dans mon inventaire, mais on sait où il est. C'est bon. Ok, c'est bon. Donc il fallait que j'achète absolument tout l'arsenal de Terry pour le débloquer. Voilà. Bah comme ça au moins on sait où il est. Donc voilà, donc on va considérer que le jeu est fait à 100% parce qu'on sait où il est, le dernier quart de cœur, voilà, tout simplement. En tout cas, pour YouTube, je vais arrêter la vidéo ici, comme ça le boss rush est fait. Je vous retrouverai tout simplement au temple d'Ilia, hein, pour affronter l'avatar du néant, hein, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé, à me dire ce que vous en avez pensé. Attendez, parce que j'ai pas mon bouclier d'équiper. Comment on fait pour équiper le bouclier encore? J'ai toujours un problème pour ce qui est d'équiper mon bouclier. Non. Non. Voilà. Donc, voilà. Et donc, moi, je vous retrouverai la prochaine fois pour le dernier épisode, l'ultime épisode, à savoir l'affrontement avec la Terre du Néant. Allez, je vous dis ciao tout le monde!